たけしです。おにだい朝会おじゃぽん福島へアルティメットフリスピーコモサコモサ。Bonjour à tous, vous êtes toujours live à Sakai au Japon. Aujourd'hui, ethnographie de la toilette japonaise. Les Japonais sont connus pour être très propres, très sanitaires et je vous y amène dès maintenant dans les toilettes à la demande générale pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Donc, ethnographie de la toilette nippone. Premièrement, vous devez observer qu'elles sont tous fermées, donc impossible de voir qui s'y cache ou qui s'y trouve. Bien sûr, vous avez le bol de toilette avec les multiples boutons à sa gauche, à notre gauche ici, pour déterminer certaines choses. Première des choses, bien sûr, le jet masculin qui vous permet de viser très précisément là où il le faut, le jet féminin et leur intensité. Vous avez le son que la toilette peut produire pour cacher, bien sûr, vos propres bruits intestinaux, si je peux me permettre. Vous avez même le volume de ce dit son. Vous avez le déodorant qui se cache ici, qui vous permet finalement d'évacuer de manière technologique vos odeurs. Vous avez quatre boutons ici dont je ne sais malheureusement pas à quoi ils servent. Ils sont réservés aux Japonais, faut croire. Et finalement, les derniers boutons qui vous permettent de contrôler l'énergie, de faire chauffer votre bain, d'avoir de l'eau chaude et ainsi d'allumer ou d'éteindre la toilette. Tout ceci est déterminé par ce petit truc ici qui sort littéralement de la toilette et qui vous arrose le popotin. Alors, c'était la toilette japonaise en direct du Japon et elle nous dit bye bye. Alors, ciao, vous étiez live en direct des toilettes nippones au Japon.